Resident Evil 6. Eh bien salut à tous les amis, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un premier let's play de Resident Evil 6 en coopération avec mon pote Branson et on démarre par le chapitre de Léon et Elena. Ça commence dans un campus bourré de zombies, que du bonheur. Les armes biologiques menacent les travailler avec le reste du monde étant par son incident. Beaucoup de personnes veulent me dissuader de rédiger l'intention. Ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. Est-ce qu'on sait pour avoir une chance? Votre amitié a toujours compté pour moi. Restez où vous êtes. Monsieur le Président! C'est à cause de moi. Tout est ma faute. De quoi est-ce que vous parlez? La cathédrale de Tholox. Je vous expliquerai là-bas, agent Kennedy. Vous savez comment je m'appelle? Oui. Hannigan? Dieu merci, vous allez bien. Quoi, vous la connaissez? C'est Elena Harper. Elle a rejoint les services secrets l'an dernier. Je suis vraiment heureuse de voir que vous allez bien tous les deux. Bon, trêve de présentation. Faites-moi un rapport détaillé sur la situation. Je viens de tuer le président. Comment? Il avait déjà été infecté à notre arrivée. Léon a fait ce qu'il fallait. Il m'a sauvé la vie. C'est terrible. Très bien. Je transmets l'info. Vous, de votre côté, essayez de vous sauver de là. Le virus s'est déjà répandu à 4 km autour du campus. Et il ne ralentit pas. Dépêchez-vous. Il faut qu'on inspecte la cathédrale de Tholox. L'agent Kennedy a une piste qui pourrait mener aux responsables de tout ça. Léon, c'est vrai? Non, je déconne. Hey. Je tiens peut-être quelque chose. Entendu. Je vais chercher le chemin le plus sûr. Je vous recontacte. J'ai une piste. Suis-moi et tu en auras une. Adam, je suis désolé. Qu'est-ce que cette église a de si spécial ? Tu as des péchés à confesser? C'est dur à expliquer. Si je ne te le dis pas à la cathédrale, tu ne me croiras pas. Ok. Putain, ça abusait ce coup-ci pendant toute la cinématique. Moi, j'avais juste un écran qui... où ça marquait tu en attente de... Tu raconteras tout une fois qu'on sera à la cathédrale. Ok? Ok. Ah ouais, pas cool. Tout à l'heure avec Chris, c'est que j'ai dû appuyer trop tard tout à l'heure avec Chris, j'ai pu être là pendant la cinématique et là... Ici aussi. C'est de pire en pire. Ah ouais, j'avais oublié au début, c'est chiant, moi. Bah déjà, tu vois, j'aime beaucoup plus l'ambiance, là. Ah bah c'est plus à Resident Evil. Et puis les zombies, c'est les zombies que tu connais dans Resident Evil, c'est pas les... Mais j'avoue. Ouais.
Donc on vient de buter le président des États-Unis. C'est cela. Et le président s'est fait tuer par un Kennedy. Si t'en vois un, vise la tête. Ça, ça marche bien. Compris. C'est vrai. C'est là que la réception devait avoir lieu. Ils seraient tous là en train de dîner ici. Tu penses qu'il y a des survivants ? J'espère bien. J'arrive pas à croire que ça recommence. Comme à Raccoon City. L'incident de Raccoon City. Tu es l'un des survivants. Ouais. Je l'oublierai jamais. On va aller dans ta fameuse cathédrale. Mais si t'as quelque chose à voir là-dedans, tu peux dire adieu à ta liberté. Je sais. Tu veux me parler autrement ? C'était quoi ? Y a qu'un moyen de savoir. Allons-y. De quoi, Bran ? Tu veux me mettre en prison, là, direct. On peut courir. Il a bien un talacon. Ah bah oui. Tu cherches un emblème ? Je regarde des fois que... Dans le fond. Titre. J'allais le dire. Vous allez bien ? La brume. Quoi ? La brume. Elle est apparue d'un coup. Elise ! Non ! Non, lâchez-moi ! C'est trop dangereux. Ma fille, elle est toute seule. Si on n'agit pas vite... C'est bon, ça va. Mais mettez-la en veilleuse, vous la reverrez jamais. Vous comprenez ? Lise. C'est votre fille ? Ok, trouvons-la. Léon, on n'a pas le temps de... On va le prendre. Lise, où es-tu ? Emblème. J'ai trouvé un emblème. Il est où ? Derrière la petite fenêtre là. C'est par là qu'il faut tirer, Bran. Mais je l'ai vu. Ah je ben... me suis bien fait chier, mais je l'ai vu. C'est quoi ce bruit ? Oh non ! Il fuit. Y a pas à dire, je kiffe 100 fois plus l'atmosphère là. Putain de chaise, c'est pas possible, c'est pensé quand même.
souffle ici. On doit la trouver. D'accord. Restez par là. Merci. Liz ! Liz ! Attends, je vais juste faire un tour à l'étage. Je me demande dans combien de temps ces cadavres vont se lever. Liz, réponds ! Oh, c'est prêt. C'est ton papa. Oh. T'en as eu un spray aussi ? Ouais, ouais, ouais. Avec la clé, ça marche mieux, effectivement. Vous allez bien ? Ça ira mieux quand j'aurai trouvé ma fille. Il fait une crise d'asthme, lui. Je l'ai appelée, mais ça a coupé. Je sais qu'elle est là, quelque part. Il faut relancer l'ascenseur pour y aller. C'est fermé, mais je travaille ici. J'ai les clés. Une fois là-bas, on prend ma voiture. Merci. Il faut qu'on trouve votre fille et qu'on parte d'ici. Liz ! Liz, c'est toi ? Des chiens ? J'entends des chiens. Oh putain, pas les chiens. Il y avait déjà des chiens dès le début, hein ? Liz. Papa, où sont maman et Liam ? Ils sont déjà partis. Ils nous attendent à la maison. Elle s'est fait morte, ta chérie, là. Comment on sort de cet endroit ? Par le parking souterrain. L'ascenseur est juste devant. J'espère qu'il fonctionne. On va dégager le chemin. Heureusement que vous étiez là. Elle est pas en train de crever là ou de se transformer, elle ? Bah...
On y est presque. Liz. Tu ferais bien de t'y faire. C'est eux ou nous. Et eux, ils n'hésitent pas. Pourquoi tout ça nous arrive? Je crois qu'on n'est pas seul ici. Elena, sors ton arme. Faut pas qu'ils entrent! Et bon, on va y aller au couteau, hein. Notre chance de nous tirer d'ici. Je suis bien d'accord. Allons-y. Léon, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. T'as raison. Il faut qu'on se barre d'ici. J'ai deux bastos dans mon flingue. Et je vais aller loin. J'en ai ramassé 10. Mais j'étais à zéro partout. Il a parlé d'une sorte de brume. Si ça se répand sous forme de gaz, alors tous ceux qui l'ont respiré sont infectés. Ça veut dire les habitants du campus.
Ouais. Alors pourquoi c'est si calme? J'ai un très mauvais pressentiment. Désolé de vous déranger. Il y a de l'arme vers toi. Il manque la marche là, il y a de l'herbe verte. Ok. Moi le couteau il est coup de pied, je m'y fais là. Ouais mais faut vachement utiliser le corps à corps pour son parce qu'on a... les munitions c'est galère. Après quand t'as fini la partie et que t'achètes les bonnes habilités, tu peux mettre les munitions limitées. Sur tes armes. D'accord. Donc, faut devoir acheter les habiletés et faut avoir fini le jeu. Ah, mais. Encore de l'herbe verte là. Cool. On va combiner. On va attendre. Attends. Des survivants. Et du coup, t'en as eu combien d'heures de verte là? Une. Combine-les, toutes celles que t'as, tes herbes vertes, t'appuies sur triangle. Ouais, je sais faire. Ça me fait 6 boules. Ouais. Et ben avec ton assist, tu vas dessus, t'appuies sur croix et tu les équipes. Et sur ton écran, là, à côté de ta vie, okay, ouais. T'as marqué t'as un 6 et tu les utilises avec R1. Ça marche. Et vaut mieux attendre d'avoir 6 tops pour les équiper, parce qu'une fois que c'est équipé, tu peux plus les enlever, je crois. Ça marche. J'ai même mis un peu de grenade sur le bureau là. Quoi? C'est pas bon. Je t'en sors? Ouais, ça va, je suis encore en vie en tout cas. Allez, avec moi là. J'arrive. Je pensais que ça serait plus simple. Donc là, ils sont plusieurs sur toi. Tout droit, t'as de l'herbe rouge, normalement. Tout droit ou derrière le chaise le chemin. Là. Et sur le bureau il y a des munitions et des grenades. Ça peut être utile.
sais pas si c'était pour monter dessus. Oui, que ça me disait l'interroge. Allez. La grille de sécurité vous mènera hors du campus. Tu te fais attaquer ? Non. Beaucoup de munitions. Même les munitions. Non, pas sauter par le succès. Masse dans sa gueule. Corps à corps, j'y prends goût, hein. C'est des beaux combos des fois en plus. Ouais. Lanigan, c'est fermé. Chaque perso, ses combos, ça fait pas de monstres qui partent derrière ou. Pardon. Tentez le bâtiment du personnel, derrière les gradins. Les clés de la grille doivent y être. Il y a des contres qui sont sympas aussi. Quand t'appuies sur R2 pile poil au moment où il t'attaque. Reste bien sur tes gardes. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Compris. Regarde sur le stade à droite. Enfin, gauche aussi, en marque. Ouais, c'est là qu'il y a la pancarte Help. Qu'est-ce que t'as t'es fait attraper? Non, c'est que j'ai trébuché sur un cadavre. Il y a plein de monde sur tous les. Terrain de foot. Ah, l'herbe verte. Où ça? Génial, ça va pas tous les attirer, ça. Ouais, en fait, aussi. Hunnigan, c'est fermé! On est coincé! J'y travaille, ce sera pas long. Au moins, on sait où tous les zombies se cachent. Merde, j'ai plus d'endurance, y'a de l'endurance. D'où il saute comme ça, C'est quand tu veux, Hunnigan. Fais-nous sortir de là. J'y suis presque. Courage. C'est des portes ouvertes. Ça arrive à l'infini. C'est ouvert. Sortez de là, vite. C'est bon. Ici. Ah.
Ah, il faut ouvrir le tiroir, il y a des munitions des fois. Ouvrir les tiroirs ? Ouais, des fois il y a des munitions. Ouais. Bien vu. Ah putain, j'aurais peut-être trébuché sur l'équipe. Ah, y'a un emblème dans ce. Et des bastos dans l'autre. Ouais. Léon. Joli, merci. Oui. Ah, oui. Oui. Rejoli, remercie. Il y a de l'herbe verte là, j'ai pas fait. Enfin, il y a de l'herbe rouge et de l'herbe verte. Je viens de me rappeler un truc, il y a tir rapide si t'appuies sur L2 et R2 en même temps. Ouais, et ben moi avec Léon. Et merde. Avec Léon, si je vise, je sors deux flingues en appuyant sur triangle. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Jamais ça s'arrête ce bordel. Tournez vite à droite. Monsieur, presque. Continuez. Oh,
Je crois qu'on vient de trouver comment sortir d'ici. Merde, pas de clé. Tu es sûr? Je cherche. Elles sont dans la boîte à gants? Non, rien. Voler une voiture, c'est pas aussi simple que dans les films. Je sais, je suis bien. Je suis bien. Essayons les films. Attends, je les ai. Elena, vous allez bien? On tient le coup, mais il faut qu'on trouve un autre chemin vers la cathédrale. Eh bien, j'ai trouvé un accès souterrain qui sera plus sûr. Les égouts? Super. Je vais bien. Ne traînons pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur des égouts? Allez, il faut qu'on aille à la cathédrale. Ensuite, je te dirai tout. Les armes biologiques doivent être assurées. J'ai l'intention de tout leur dire. Tout ce qu'on sait sur l'incident de Raccoon City. Mais, monsieur... Beaucoup de personnes veulent me dissuader de révéler la vérité. Je sais où ils veulent en venir. Ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. J'ai bien appris cette leçon dans l'armée. Les armes biologiques menacent le monde. Et c'est en partie notre faute. Nous devons tout révéler et travailler avec le reste du monde pour avoir une chance de les éliminer un jour. Quoi que vous décidiez, monsieur, je vous soutiens. Votre amitié a toujours compté pour moi. Il faut prendre nos responsabilités et arrêter cette folie. Ça ne sera pas de tout repos. On a peu de temps. Ça va pas être une partie de plaisir. Je pète vos gueules, j'essaie de parler. Pas possible. Je me marrais par rapport à la scène cliché là où il tient la meuf dans les bras, puis tu sais, il y a le petit regard qui s'échange, ben ça. Et bien, on peut être un peu un problème. Tous les trucs comme ça dans Resident, enfin, j'ai l'impression par moment c'est de regarder un nanar quoi. Ouais. Tu dis non mais j'étais pas obligé, pourquoi ils ont fait ça? Et puis merde ils l'ont fait. C'est comme les phrases de fin dans Resident Evil 2 mais elles sont à pisser de rire. Un rat! Ah! Je pensais pas que ça le tuerait! Elena, ça va couper quand vous serez entrée. Je vais suivre vos mouvements. Mais soyez prudent. On va peut-être éviter de patauger dans la flotte là.
du monde. Beaucoup de monde. Merci. Quoi ? Calme-toi contre moi. J'avais oublié ça. Oh, le réflexe. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait sursauter. Les chiens, vraiment. Merde, y'en a d'autres. Y'en a encore. T'as buté le mec aussi. Il était mort pour ça. Train. Zombies électriques maintenant. Ah oui, c'est qu'ils prennent feu quand ils ont des zombies. Wow, mais il est bien, hein, d'un coup. Il a crevé. Il a pas envie, on dirait. Et il en a pas eu autant, toi. Je crois que c'est bon. Comment on coupe le jus? Ouais, faut passer par là. On peut pas récupérer le... l'idée à la con, l'idée à la con. Tout ça pour un fin d'aptitude. C'est génial. C'est bien le moment. Lâcher aussi. Heureusement qu'il n'y a pas le tirami, hein. On peut le mettre en plus, je crois. Ouais, je sais, ouais. Comme il a perdu sa tête, lui.
À droite, à droite. Ah oui. Anglais. Joli, bien vu. Ah, c'est que je m'en souviens dessus là. Parce que je t'ai dit à droite avant même de le voir. C'est moi où il y a beaucoup de monde là. Ouais, il y a beaucoup de monde. Il est quelque chose de temps. Ah, il était trop côté, je crois. Ouais, mais je me suis plaqué au mur, moi, merde. Mets-toi carrément sur la voie de gauche du coup, tant qu'il n'avait pas passé. Bah, faut être sûr qu'il arrive par là, quoi. Ah, oh, j'étais à four en train de fusiller, ouais, comme un taré. Il défonce là cette porte. Ah, et puis faut prendre l'emblème. Ouais, j'ai l'impression. Ok, cette fois c'est plus la même. Et j'arrive, bande d'enculés. C'est pas de chance. C'était beau. Ok. Non, je suis mal préparé. Mais c'est pas vrai ça. On peut pas l'ouvrir. Je veux jeter un œil là-dedans. Aide-moi à monter. Attends, il y a un truc à ramasser. Mais me laisse pas là. Y'a du monde dans le wagon, non? Oui. Putain, je me plante mal tout. J'ai été attaqué dès mon arrivée. Fais attention. Paris vont tous se réveiller sur le retour. Il y a des chances. Ah putain. C'est quoi ça? Oh putain, dans mon dos.
Non mais Bobby, je fais des figures moi quand je me bats maintenant. Hein? Je fais des figures quand je me bats avec le pompe maintenant. En bas, fais gaffe. Salut. Ouais. Tu sais qu'on entend crier depuis tout à l'heure là. Ah ah ah. Je sais pas, mais ça va mourir de toute façon. Ça finit toujours par moi. À part nous. Oui. Putain, mais il me crache dessus, c'est con. Je visais quoi là? Brad, I'm gonna die. Merci. C'est bien ce que tu fais. T'es con, vas-y. Non, je suis con. Vous avez réussi. Vous pouvez accéder à la rue par ici. Alors, c'est comment là-haut? C'est vraiment pas terrible. On pourrait même dire que c'est un enfer. Et bien voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce premier let's play de Resident Evil 6. Péter corde vocale avec mes conneries un jour. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Twitch de Bransan. Sinon, pensez au petit pouce bleu, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et je peux vous garantir que dans le prochain let's play, c'est le gros bordel dans la ville. C'était Loul 5100. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.